Bonjour à tous, aujourd'hui je vous embarque dans une nouvelle aventure, le tour du lac de Sainte-Croix en 2 jours. Le parcours est disponible sur le site moustier.fr ainsi que la trace GPX qui annonce une distance de 74 km avec 2100 m de dénivelé positif. Le départ de cette aventure se situe au village provençal de Moustier-Sainte-Marie. Et avant de partir sur les sentiers, prenez le temps de faire une petite balade dans le village, car il est juste magnifique. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que depuis 1981, il est classé parmi les plus beaux villages de France. Il est 8h45 et je tiens à encourager Lamia qui va tenter son premier trail long. Donc de 74 km et surtout qui va devoir me supporter pendant 2 jours. Donc bon courage à elle. Première étape, direction le village de Sainte-Croix du Verdon. Let's go! Comme vous l'avez vu tout à l'heure, nous sommes passés sur le plateau de Valensole où donc il y avait les champs de lavande qui sont en fleurs justement entre la mi-juin et la mi-juillet. Donc je vous conseillerais la randonnée en cette période. Donc demain nous serons de l'autre côté, donc on sera dans le département du Var et aujourd'hui nous sommes dans le département Alpes de Haute-Provence. En haut du village il y a une supérette, donc c'est assez pratique, on s'est arrêté. Maintenant on continue le sentier. Fin de notre première journée, nous avons parcouru 40,8 km et j'ai réservé un hôtel Les Cavalets, donc situé à un peu plus que la mi-parcours. Et on a une magnifique vue sur le lac Sainte-Croix. Et là, on voit le village de Baudouin, donc c'est la suite de notre étape 3. Et de l'autre côté, on voit le plateau de Valensole, où on était ce matin.
et ici le village de Sainte-Croix du Verdon. Départ de l'hôtel, deuxième jour, et on va rejoindre le sentier pour aller vers le village de Baudouin. Bon, je tiens à féliciter la Mia parce que c'est son premier trail long et elle n'a jamais dépassé 25-30 km en trail et 42 km sur la route. Donc là, c'était un sacré challenge pour elle. Bon, ça s'est bien passé? Oui. C'est pas fini, hein? Oui, encore 12. Encore 12. Donc le parcours passe sur le pont du Galeta. C'est la jonction entre le lac et les gorges du Verdon. Voilà, retour au point de départ. J'espère que ce reportage vous a plu. En attendant, nous, il nous a beaucoup plu. C'est des paysages magnifiques, un parcours à la fois technique et simple aussi. C'est partagé. Et si vous voulez plus de couleurs, n'hésitez pas à le faire entre mi-juin et mi-juillet avec la lavande. Je pense que c'est un autre paysage. Et si vous voulez beaucoup moins de touristes, n'hésitez pas à venir en cette période. En attendant, je vous dis à bientôt pour de futures aventures.